J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve ce soir avec Annie Lemoine, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoine, Isabelle Alonso, Stevie Boulet et Isabelle Mergo. Jean-Luc, faut que vous arrêtiez de prêter vos costumes à Stevie, parce que ça lui va pas, lui. Ça lui va très bien, son petit chapeau de pêcheur, là, c'est très joli. Bah oui, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça va pas? Ce qui est bizarre, c'est que, regardez Annie Lemoine, c'est que vous pouvez le chatouiller, regardez, c'est curieux. Oh, il est épilé. Oh, quelle horreur. Ah, mais oui, tu t'épiles sous les bras. Je m'épile pas sous les mais bras, t'as raison, je me rase t'as sous raison, les bras. C'est pas beau, c'est pas esthétique. Vous êtes très jolie aussi, Isabelle. Ah, merci, quelle merci. Quelle tenue encore. C'est tout déchiré parce que Gérard est comme un sauvage dans les coulisses. Isabelle Mergo, c'est dans la sobriété, elle a plutôt. Bon, faites pas semblant de vous intéresser à moi. Bah, je suis moche. Oh. Si, dites-lui, allez. Bon, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. C'est celle d'Alain Juppé. C'est l'événement du week-end. Alain Juppé qui a souri. Oui, Alain Juppé a souri. Invité chez Michel Drucker, il a même avoué « J'aime rire ». Et c'est quand il a dit ça, d'ailleurs, qu'il a été le plus drôle. À gauche, pendant ce temps-là, sorti de l'hôpital, Bertrand Delanoë tente, lui, de semer les paparazzis. Le journal du dimanche nous expliquait hier que son entourage avait même réussi à faire croire que le maire de Paris poursuivait sa convalescence dans la maison de Lionel Jospin sur l'île de Ré. Alors, ils étaient tous là, les paparazzis, à attendre Bertrand Delanoë à Ars-en-Ré, ce qui était idiot, parce que franchement, pour éviter les paparazzis, aller chez Jospin, que tout le monde recherche lui aussi, c'était franchement idiot. En fait, M. Delanoë serait tranquille au Pays Basque. On n'en sait pas plus, on sait juste que comme il lui est interdit de rire parce que ça lui fait mal aux côtes, il a préféré ne pas regarder Alain Juppé, qui lui est maintenant obligé de rire. Chacun sa croix. C'est dingue, hein, quand même. C'est pas malin de dire ça parce que maintenant, tous les deux, ils vont être à couteau tiré. Ce qui est terrible, c'est que là, il va à la convalescence. Sa convalescence, il va la faire dans un endroit calme. Hop, ouais. Il va au Pays Basque, il tombe sur Félicien, Peña Koumkoum et hop, c'est reparti. Du côté de l'extrême droite, quelques retrouvailles, puisque ce matin, le journal Le Parisien nous montrait Jean-Marie Le Pen en pleine discussion, regardez, avec le couple Maigret. C'est un méchoui. Quoi? Je sais pas si vous l'avez remarqué, chaque fois qu'il y a une photo de Le Pen, qu'il caresse la tête d'un enfant, qu'il regarde un méchoui, ça fait peur. Je crois qu'il y a qu'un seul cas de figure où une photo de Le Pen fait pas peur. C'est de dos quand il s'en va. Non, mais... Non, ce qui est rigolo, c'est que d'un coup, il est toujours avec Jeanne d'Arc, Le Pen. Là, il est avec Jeanne d'Arc, mais sur la fin, alors. Oh. On passe au sport avec ce nouveau record du monde en apnée. Après avoir atteint 162 mètres de profondeur, eh bien, regardez, oui, Mireille Mathieu refait surface. En effet... Après plusieurs années sans respirer, l'Avignonnaise revient avec un nouvel album. Interrogée par François ce matin, quand on lui demande où elle était pendant toutes ces années, elle répond qu'elle chantait dans tous les continents, sans compter les carrefours, les champions, les buts et les conforama. On est content, franchement. Elle veut pas venir, elle a peur de venir ici, Mireille Mathieu. Ah bah faut pas qu'elle ait peur parce que moi je l'adore. Mais moi je suis aussi, très je contente l'adore. D'avoir de ses nouvelles et je la trouve très sympathique, voilà. Mireille Mathieu, on vous adore, on connaît toutes vos chansons par cœur. Tenez, tiens, est-ce que vous êtes capable de chanter chacun une chanson de Mireille Mathieu? Moi, oui, je crois. Parfait. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Moi ce que j'aime bien c'est qu'on comprend bien toutes les syllabes. Je suis une femme amoureuse. Ah oui, et elle je brûle avait repris ça. D'envie. Et puis aussi, là où il m'a fait vraiment peur, c'est quand on a chanté avec Bobby de Dallas. Ah oui, Patrick Dufy. Eh oui, ça faisait très très peur, évidemment. Ah oui. L'homme poisson. Oui, il était comme ça, il chantait à côté. C'est l'une des françaises les plus connues au monde. Et ouais. C'est vrai, j'avais vu des photos du Japon. Elle est sur des murs, mais des murs de 40 mètres de haut, des grandes photos d'elle. À chaque fois qu'on veut plus d'une star en France, ils sont connus au Japon, faire marquer. Non, mais alors, c'est pour vrai, la famille. C'est comme le vin, on leur refile le Beaujolais. On,
on peut lui lancer un appel. Mireille, si tu nous regardes, viens, nous saurons très bien t'accueillir. Mireille, on t'aime. Voilà. Viens, Mireille, viens. Allez, on termine par la dernière publicité de Johnny. On avait été les premiers à vous la montrer, mais tout le monde en parle maintenant de cette publicité pour Johnny, pour des lunettes. Johnny raconte pourquoi il a fait cette pub, c'est que vraiment, il a dû se résigner à porter des lunettes parce que, dit-il, il avait du mal à lire. Quand je pense qu'on s'en était tous rendu compte depuis des années, personne n'avait rien osé lui dire. Bon, en tout cas, on lui dit à Johnny aussi, viens, en même temps que Mireille Mathieu. Ce week-end avait lieu la 14e édition de l'opération Lire en Fête, une immense manifestation autour de la lecture qui a d'ailleurs largement dépassé nos frontières puisque 100 pays étaient concernés par ce rendez-vous littéraire. C'est à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication que le projet s'est réalisé. Acteurs du livre, comédiens, musiciens ont organisé de multiples fêtes, textes déclamés, mises en scène, rencontres, débats et contes, tout ça dans des lieux traditionnellement réservés aux livres, mais aussi dans des lieux plus originaux comme les gares, les cafés, les cinémas et même les prisons. Dan Bolander, toujours à la page, a testé pour nous la 14e édition de Lire en Fête, une caméra cachée par Frédéric Gilbert. Regardez. Ici Dan Bolander, j'ai testé animé Lire en Fête. Lire en Fête, Lire en Fête. Si j'ai réussi mon coup de plaisir de lecteur, au revoir. Viens lire avec nous ce matin, prends vite un bouquin. Lire en Fête, en Fête. Je sais pas chanter, et puis on discutait avec ces gens-là. Oui, mais moi, je suis chargé par le ministère d'animer. Ça suffit maintenant. Voilà, on chante tous et après, c'est bon. Je crois qu'il n'y a pas, envie de chanter. Allez. 3, 4. Laissez-nous tranquilles. Oui, mais c'est le ministère qui a décidé de faire... J'en ai rien à foutre du ministère et foutez-nous la paix. Laissez-nous tranquilles, on était en train d'écouter. Foutez-nous la paix. Mais je sais que vous êtes en train de lire, puisque c'est la fête de la lecture. Mais on est en train de la faire, la fête, là, vous nous le gâchez. Barrez-vous. Les sanglots des violons de l'automne. Viens lire avec nous ce matin, tous en cœur, prends un bouquin. Viens lire en fête, lire en fête. C'est pour la fête du livre. On m'a demandé de passer un peu partout pour animer un petit peu. Vous lisiez quoi? C'est une conférence sur Verlaine. Mais on aime bien les surprises. Ah ben voilà. Viens lire avec nous ce matin, prends vite un bouquin. Viens lire en fête. La fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. Bonjour. 3, 4. Viens lire avec nous ce matin, prends vite un bouquin, viens lire en fête. Voilà, mais non, il faut que tout le monde chante. Oui, non, mais c'est le ministère de la Culture qui a décidé de fêter le livre. Je vais me fâcher. Mais non, mais c'est important. Non, allez, je vais vous aider. Allez, 3, 4, viens lire avec nous. Allez, c'est le temps. Ça va être plus simple. 3, 4, viens lire avec nous ce matin, prends vite un bouquin. Chacun prend son plaisir où il le veut, mon pote. Mais oui. Nous le prenons dans un certain calme. J'ai écrit ça spécialement pour la fête du livre aujourd'hui. Alors. Dan Bolander, qui voulait imposer la fête du livre un peu partout. Moi, je trouve que les livres nous permettent de nous ouvrir au monde et nous donnent des armes pour le penser. Oh, pas du tout. Il s'ennuie d'un coup là, il nous a cassé l'ambiance. Moi je dis madame. Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture et de la Communication. Bravo. Monsieur le ministre. On va accueillir quelqu'un qui a participé à cette opération Lire. En fait, il faut dire que c'est un des écrivains les plus lus du moment, un de ceux dont on parle le plus. Il n'y a pas un plateau télé où on ne l'a pas vu et on s'est dit, nous aussi on doit l'avoir. Voilà, voici Yann Moix qui a écrit Podium aux éditions de Grasset. Est-ce que ça fait vendre? Je sais pas. J'ai de pas... faire des émissions de télé, beaucoup d'émissions de télé. J'ai pas étudié la corrélation entre les passages à la télévision, parce que ça peut faire l'effet inverse. Hein. Trop ah oui de promo tue la promo, sans doute. Bon. Alors bon. Il faut dire que ce livre est très original, Podium. Vous l'avez présenté, vous l'avez dédicacé ce week-end pendant l'opération Livre en Fête? Non, parce que je suis pas allé à Livre en Fête, en fait. C'est vrai? Non. Mais vous deviez y aller. J'ai oublié. Quoi? On vous a invité pour ça? Bah, j'ai oublié d'y aller.
Au revoir Yann Moix. Oh, merci d'avoir reçu. Est-ce que vous étiez vraiment fan de Claude François avant d'écrire ce livre ou vous êtes documenté uniquement pour l'écrire ? Documenté uniquement pour l'écrire, mais je suis devenu fan en l'écrivant. Mais avant, aucun goût pour Claude François. On ne peut pas détester quelqu'un sur lequel on écrit. C'est-à-dire que je pense que même les biographes des pires ordures, au bout d'un moment, essayent de rentrer dans la sans les aimer, mais rentrer dans la psychologie du personnage dont on parle. Et donc une forme d'empathie qui se crée. Stevie ? J'ai aimé, j'ai trouvé drôle, caustique, un humour certain. Là, je me suis reconnu dans votre livre, c'est qu'à un moment, dans la vie, tout le monde s'identifie à quelqu'un. C'est vrai, que ce soit un gamin de 6 ans, il se repère par rapport à son père, à sa mère. C'est quand on est de psychologie Stevie. Quand on est ado, moi par exemple, j'adorais Michael Jackson. C'était tout pour moi, il n'y avait pas un centimètre carré dans ma chambre sans Michael Jackson. Et il commençait à vous ressembler, c'est vrai. Et c'est vrai que je lui piquais des mimiques, je mettais des pansements comme lui, je me coiffais comme lui, je m'habillais comme lui. Et quand est-ce que t'es passé à Mylène Farmer? C'était en 99. Mais non, c'est quand même bourriquet maintenant. Voilà, et donc je me suis reconnu un peu dans le protagoniste de votre livre, mais à une échelle beaucoup plus modérée, parce que là, vous poussez l'identification vraiment jusqu'à son paroxysme. Mais il existe, on les a vus dans plein d'émissions, les sosies de Claude François, il y a plusieurs sur le marché d'ailleurs. C'est, oui, c'est un livre sur comment certaines personnes préfèrent vivre une vie par procuration plutôt que la leur. Comment vivre la vie d'un autre à la place de sa propre existence à soi. C'est très étrange comme phénomène. Il y en a qui préfèrent être Johnny, entre leur vie et Johnny, prennent celle de Johnny. Isabelle Alonso. C'est un livre qui m'a beaucoup déroutée parce que d'abord, ce n'est pas tout à fait un livre. C'est un peu une curiosité, c'est un peu un objet, un ovni, autant qu'un livre, puisqu'il y a des tas d'annexes et des tas de tableaux, il y a des tas de trucs qui nous demandent où il va. Il y a des exercices de maths corrigés. Il y a un nouveau calendrier, le calendrier claudien. Donc sur la forme, c'est déroutant. Sur le fond aussi, là, j'étais un petit peu heurtée parce que j'ai trouvé ça un peu méprisant pour ces gens dont vous parlez, pour les petites gens, ceux qui n'y arriveront pas, ceux qui vivent à côté de la vraie vie. J'ai trouvé ça un peu cynique et un peu méprisant. Alors... je trouve que c'est un livre, contrairement aux apparences, il est comme ça dans la paillette et tout, extrêmement dur. Alors, sur le mépris, je vais répondre immédiatement. C'est-à-dire que dès qu'on est critique sur un univers, les gens pensent que vous êtes méprisant. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être critique sur les allées du pouvoir, on a le droit d'être critique sur les milieux aisés. Et en fait, non, j'ai essayé de montrer qu'il ne faut pas sanctifier le moindre milieu social, mais qu'en fait, les écrivains s'intéressent, mine de rien, extrêmement peu à ces milieux de province. C'est-à-dire que la célébrité est circonscrite dans le temps, mais elle est aussi circonscrite dans l'espace. Et c'est un livre sur ça. Gérard Miller. Yann Moix, il appartient à la génération des écrivains doués. C'est incontestable. C'est-à-dire tout ce qui touche, il y a du style, il y a de la drôlerie. C'est pour ça qu'on vous invite si souvent. Moi, ce que je crains toujours, c'est le retour de bâton, parce que je trouve ça très injuste. Je vais vous comparer à Becbédé, que je trouve extrêmement doué. On voit bien qu'actuellement, parce qu'il a eu trop de succès, parce qu'il est effectivement très doué, il y a un retour de manivelle. Moi, je crains qu'un jour on se retourne contre vous, c'est pas encore le moment. Actuellement, tout le monde vous loue et je crois que c'est très mérité. Il y a un charme et un chic chez vous qui est absolument étonnant et ce livre y participe. C'est vrai que c'est un objet ovni, on sait pas ce que c'est, mais franchement, moi je vous tire mon chapeau parce que vous appartenez à ceux qui écrivent et qui donnent du plaisir. Et le retour de bâton va arriver dans quelques secondes. Je voudrais qu'on revoie une photo où vous aviez accepté, regardez, une photo où vous aviez accepté d'être en Claude François. C'était pour quel journal? Elle. Ah, pour le journal magazine Elle. C'est la seule photo où j'ai accepté de me déguiser. Il ressemble plus à C. Jérôme, là, comme le héros. Non. Non, en fait, ça fait aussi du bien de temps en temps de dire oui, on écrit des livres, mais c'est pas la peine de prendre la pause, la pause de l'écrivain. Quoi, ça va, on a le droit de déconner. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous entendre dire. Avec mes costumes. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Non, c'était qu'une fois. Avec les costumes et la perruque, c'est possible. Vous allez chanter avec Isabelle Mergault. Je peux pas. C'est pour ça que vous êtes là. Non. On encourage. Non. Allez. Allez. Oh non, pas la perruque. Ah si, la perruque. Pas la perruque. Non, je peux pas. Non. La perruque, non. Non, on va pas être forcé à mettre la perruque, hein. Ah non, c'est toi, c'est la sonnerie, c'est toi qui fais la sonnerie. Tu dis allô. Ouais, d'accord, mais faut que tu sonnes pour que je dise allô. Bah. Allô? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois, moi je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain, je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important. Et il attend. Tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours des grands signes de me dire tout bas. Elle me dit tout bas, fais croire que je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oh oui, mais comme maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres ont celle de leur papa, pas moi. Attends, j'ai un R2. Je te reprends immédiatement. Oh, dis-lui.
C'est la version moderne. C'est ça. Dis-lui que j'ai mal, si mal, depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Ah non, j'ai 5 ans. Et dis, tu la connaissais, ma maman? Non, pourtant, elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi, avec la voix. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite. C'est bien, non, franchement, c'est pas mal, Yann. Yann Moix, qui avait déjà écrit Jubilation vers le ciel, les cimetières sont des champs de fleurs, et Anissa Corto, toujours chez le même éditeur. Ah, toujours, je suis fidèle. Très fidèle à Grasset. Très, très. Hein. Bah, là, il faut dire qu'ils ont misé sur le bon cheval. Hein. Ah, bah, oui, on verra. C'est quoi ces téléphones ? Bon, alors, c'est pas fini, parce que maintenant, on a prévu la baignoire et l'électricité. C'est un traitement de choc. Non, je vous rassure, c'est fini pour aujourd'hui. D'accord, merci. Ça a été très sympathique de vous jouer, de jouer au jeu de podium. Au revoir. Je vous ai podium, moi, quand je fais ça. Oui, moi aussi. Au revoir. Ciao. Il y a quelques temps, Christina Marocco chantait « J'ai tout oublié » en duo avec Marc Lavoine. Lui, il ne l'a sûrement pas oublié. D'ailleurs, pour ne pas se faire oublier, elle prépare un album solo. Voici le premier extrait de son album « On s'en va, Christina Marocco » qu'on reçoit tout de suite sur ce plateau. Votre album sortira en février 2003. C'est un avant-goût de ce premier album. Oui. Ce sera votre premier album solo ? Absolument. Mon tout premier album. Le premier album de ma vie. Alors, on va quand même signaler pour ceux qui vous ne connaîtraient pas que le petit accent, il vient d'où ? Il vient d'Italie. Il vient d'Italie. Mais c'est un album qui sera entièrement en italien ? Absolument pas. Ah, voilà. Ça sera plutôt en français. Avec, oui, quelques infiltrations d'italien par-ci, par-là. Pour l'instant, on a... On s'en va. On s'en va, qui est réalisé par Scalo Obispo. On va regarder tout de suite un extrait du clip d'On s'en va, mais restez, hein. On s'en va. Petite question, peut-être indiscrète, vous ne me répondez pas si vous n'avez pas envie. Vous avez choisi la France pour faire carrière parce que c'est pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, familiales, non, sentimentales. C'était des raisons vraiment professionnelles. Souvent, on change de pays par amour. Non, dans mon cas, c'était vraiment une exigence professionnelle. J'avais envie de voir ailleurs, d'explorer d'autres... La question d'autres... de Laurent, c'est comment s'appelle-t-il, c'est Mais ça, non, pas du tout. Je voulais savoir pourquoi on a envie de venir chanter en France, en fait. C'était ça, ma question. Mais je n'étais pas venue pour chanter, en fait. Je suis comédienne à la base. Ah. Donc, j'ai une carrière de comédienne en Italie. Et je suis aussi chanteuse. Au fond de vous. Au fond de moi. On s'en va. Qui l'a écouté? Je commence par Miller, tiens. Bah, je l'ai écouté. Que dire? C'est toujours un peu difficile de juger sur une chanson, mais j'ai beaucoup aimé celle que j'ai entendue, donc j'attends avec impatience l'album. D'accord. Et je vois même pas pourquoi on pourrait ne pas vous aimer, parce que vous êtes à la fois jolie, la voix est agréable, les paroles sont pas mal, donc je trouve que pour un premier single, c'est plutôt très réussi. Elle a trouvé un logement hein, à Paris, je vous le dis, hein, Gérard. Ouais. Mais non, mais je réponds très simplement. Annie Lemoine. Moi, je suis cliente à 200%. Ah oui? Ah oui, inconditionnelle. Simplement, attendez, dites-moi en italien, un jour ou l'autre, l'amour finit, on s'en va. Un giorno l'altro, l'amore finisce, andiamo via. Oh ouais, c'est bien, non? C'est mieux, même. Vous parlez italien, Isabelle Mergo? Oh, bon, pas du tout, non. Si. Ah. Si? Si. Oui, non, mais pas aussi bien que vous. Que dit? Que dit-il? Tu non hai écoutare la disca? Oh, bah, j'aime beaucoup. Bah oui, j'aime beaucoup votre voix, j'aime beaucoup... aussi ce que vous êtes, je trouve que vous êtes très souriante, très fraîche. Et bah, j'espère que ça va vraiment marcher pour vous. Quoi, vraiment. C'est vraiment gentil de me dire ça. Merci. Oh. Isabelle Alonso. Eh ben, moi, je suis désolée de vous dire que vous ne faites rien qu'à m'énerver.
que quand vous n'étiez pas encore là, j'avais une petite chance de chanter un jour un petit peu avec Marc Lavoine, même qu'une fois j'ai chanté avec lui pendant 10 secondes et demie et que c'était déjà l'extase. Et voilà, donc j'ai passé l'été à écouter J'ai tout oublié, j'adore cette chanson et j'adore votre voix, vous avez une voix très énervante. Soit vous rentrez en Italie, soit vous devenez actrice, mais lâchez-nous un peu avec Marc Lavoine. Oh, de la provocation. Jean-Luc Lemoine. Pareil. Non, c'est vrai, j'avais adoré, j'ai tout oublié, c'était ma chanson préférée de l'album de Marc Lavoine et tout. Ouais, et puis, puis là, le charme opère encore, il y a toujours cette petite pointe d'accent et tout, et puis elle est charmante. Ne partez pas tout de suite, parce que d'accord. Je voudrais vous tester avec un petit jeu qui vient de sortir. Je ne sais pas si ce jeu existe en Italie, ça s'appelle le Ni Oui Ni Non. Vous connaissez? Ni Oui Ni Non, Nessine Non. Nessine Non. Mais je ne sais pas si ça existe. Alors, il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non, jamais. Ah d'accord, je connais. Sauf que c'est jusqu'alors, on jouait comme ça sans avoir besoin de cartes. Et là, ils viennent de sortir un jeu où il y a carrément les questions pour aller plus vite et pour piéger les gens. Non, là, c'est parce que je suis impulsive, moi, j'ai un tempérament trop impulsif. Alors, pas oui, pas non. Hein? Je peux te tutoyer? Bah, bien sûr que oui. C'est écrit tu dessus. Bien sûr que oui, allez, griller. Oh non, c'est pas commencé. Gérard, vous donnez le top départ. Alors, attention, je donne le top départ. Comment tu t'appelles? Christina. Tu es sûre? Parfois. Tu ne t'appelles pas Gédéon alors? Pas tout à fait. Ou Gertrude? Non plus. Et voilà. Raté. Excusez-moi, je m'excuse. Je vous prie de m'excuser, vous m'avez nommé arbitre, je n'ai absolument pas entendu le nom. Moi. Ah si, il a dit non plus. Ah, moi, vous avez gagné. Allez, Gérard. Ah non, j'ai bien réfléchi. Vous avez gagné. Vous avez dit non plus. Non plus. Non plus. Et ça contient non. Oui. Vous avez perdu, mais vous allez faire l'arbitre pour Gérard Miller, vous donnez le top d'accord. Départ. Attention, okay. Gérard, c'est parti. Top. Gérard, répète après moi, pont, rond, fond, long, mon, non. Pont, rond, fond, long, mon, et je peux pas dire la tu fin. Tu viens juste de dire non. Je n'ai absolument pas non. Dit un si tu l'as dit. Il n'est pas question que je l'ai dit. Ton anniversaire tombe quel mois? Il tombe au mois de juillet. Décembre, c'est bien ça? Je viens de te dire juillet. Il y a 30 jours en décembre. Tu crois que tu vas me faire perdre? Tu es sûr? Je suis absolument certain de ce que je dis. Et en janvier, il y a 30 jours? En janvier, il y a 31 jours. Cite un mois qui a 30 jours alors. Ben, par exemple, le mois de mars. Tu as dit septembre? Non. Ah non, mais c'est génial! Stevie! J'essaie Stevie. Oh là là, c'est fini moi ça. Oh là là. Donnez le top départ, Christina. Top pour Stevie. Comment je m'appelle, Stevie? Laurent Ruquier. Est-ce que tu connais mon deuxième prénom? Samy. Quoi? Samy. Comme dans Scooby-Doo. Ne dis pas le prénom, dis simplement oui ou non. Tu me prends pour un con? Est-ce que tu connais mon deuxième prénom alors? Pas du tout. À ton avis, je connais le tien? J'en ai pas. C'est Arthur, c'est bien ça? J'en ai pas. Alors c'était pour blaguer, c'était pas drôle, hein? Quel humour! Tu aimes mon sens de l'humour? J'adore. Est-ce que je t'ai déjà fait rire? Plus d'une fois. Est-ce que tu as pris un bain hier soir? Forcément. Oui? Forcément. Est-ce que je tu utilises du déodorant? Ça m'arrive, oui. Il est pas terrible, ce déodorant. Ah, il y a ça! Non, mais c'est impossible! Avec il les fiches, diabolique. Franchement, c'est diabolique ce jeu. Sans les fiches, c'est vrai qu'on peut, ça peut durer longtemps, mais avec les fiches, vous voulez jouer aussi, Isabelle, hein? Hein? Moi non, moi c'est tout de suite. Je sais pas, je suis incapable de jouer à ça. C'est vrai? Oui. Et vous, Jean-Luc? Si vous voulez, oui. Tu viens de manger, Jean-Luc? Oui. Alors ça. Eh bien, pour votre single, en attendant l'album, nous on dit oui, 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 oui. Oui. Christina Marocco sort On s'en va et on s'en va. Eh, je m'en vais. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. Autre sujet. Ça va vous intéresser, Isabelle Alonso. Les femmes dans les pubs en tenue d'Ève, ça, on connaissait. Mais les hommes qui montrent autre chose que leur pomme d'Adam, on connaissait moins. C'est même une révolution dans le monde de la publicité. Tout le monde en parle en ce moment, comme dirait Thierry. Car même si le sexe de l'homme reste un tabou publicitaire, il existe quand même des campagnes de pub, surtout actuellement, où les hommes posent nus comme des vers. Et ce sera notamment le cas pour un célèbre parfum masculin, dont on est obligé de taire le nom, mais aussi pour des marques de vêtements ou même de papier toilette. Faut dire que pour le papier toilette, c'est un peu normal parce que, bah oui, on ne s'essuie pas avec un pantalon. Bon, bref, autant le dire, quand on leur aura coupé. Quel
Pourquoi c'est brouillé? Qu'est-ce qu'il a suivi? Pourquoi vous avez brouillé les photos? Bah oui, c'est non à la censure, on a brouillé la marque. Enlevez-moi ça tout de suite, s'il vous plaît, enfin, c'est scandaleux. On est obligé, on n'a pas le droit de montrer un sexe d'homme. Non, mais... Ces photos, vous les verrez dans les magazines, mais la publicité ne passera jamais à la télévision. Ce qui est évident, en tout cas, c'est que les mannequins, à force de leur dire « le petit oiseau va sortir quand on les photographie », eh ben, ils l'ont sorti. Perry Cochin, très intéressé par ce sujet, a testé pour nous les hommes dans la pub. Une caméra cachée, elle aussi, par Gilles Maillard. Bonsoir, Perry Cochin. J'ai testé pour vous les hommes nus dans les films publicitaires. On est en train de faire une publicité pour les radiateurs à dents. Est-ce que vous seriez d'accord de participer? Non, ça non, prend non. 2 minutes. Non, non, non. Allez, venez avec moi. Alors l'idée, c'est qu'on va vous confier une pomme, parce que c'est Adam et Ève. Et vous représentez Ève dans cette histoire. Donc, il faut bien regarder la caméra de face. Non, non, pas de ça. C'est rien du tout. J'aime pas ça. Voilà, comme ça, bah, pour Ève, elle avait le serpent. Vous vous souvenez? Et quand je vous dirai « on tourne », vous direz « avec l'échauffage à dents, bye bye les vêtements ». D'accord? Action! Avec le chauffage à dents, plus besoin de vêtements. Tournez-vous, vous lui donnez, vous lui faites la bise. Super, ça tourne. Avec l'échauffage à dents, bye bye les vêtements. Est-ce que, franchement, ce serait mieux si vous enleviez le t-shirt? Non, non. Ça, ça cache. Dans un centre commercial. Mets-toi tout nu, si t'es un homme. T'es bien plus beau comme ça. Vous voulez bien enlever le pantalon? Allez, allez, comme vous, ça regardez, va, regardez. C'est pas un problème. On sera deux, hein. Ah, pas mal, pas mal. Le bois, si vous voulez bien. Le slogan, hein, c'est « Avec l'échauffage à dents, bye bye les vêtements ». Vous lui donnez la pomme et vous mettez la main sur son épaule, genre on est tous unis autour de son radiateur. Partez. Avec le chauffage à dents, bye bye les vêtements. Faut la refaire parce que vous avez un peu hésité. C'est parti. Avec le chauffage à dents, bye bye les vêtements. Voilà, super. Voilà, on se fait un petit zoom. Voilà. Super. Tout le monde est nu, sur les, dans toutes les publicités, les mecs sont nus. Ah, la honte. Eh ben non, c'est pas la honte, c'est vachement bien. On est d'accord, vous êtes les... Adam et Ève de l'an 2002. Donc vous êtes Ève, revue et corrigée. Non, il ne peut pas être Ève, lui. Alors, cette publicité dont tout le monde parle, vous avez certainement vu la photo dans la presse, effectivement, elle ne pourra pas passer à la télévision. Il y aura une campagne où la position du monsieur sera un peu changée. C'est vrai aussi pour les dames, hein, Isabelle Alonso, on ne les voit pas entièrement nues quand on les voit dans les publicités. Non, et puis même si elles sont toutes nues, c'est-à-dire dépourvues de vêtements, c'est moins visible. Le sexe d'une femme est plus caché évidemment, que celui d'un homme. Évidemment. Alors, pour parler avec nous de ce sujet, on va accueillir tout de suite un directeur de création dans une agence de pub, accompagné d'un mannequin. Voici Franck Tapiro et Tristan. Bonjour. Attends, qui est le mannequin? Je suis mannequin, le directeur de création. Alors, vous l'avez bien remarqué immédiatement. Alors, dites, pourquoi d'un seul coup on parle tant de cette pub? De toute façon, c'est le but de la publicité, c'est de créer un peu de différence, essayer de sortir un peu du lot. Et c'est clair que, la preuve, on en parle dans les plateaux télé, la pub sort de son domaine d'activité naturelle. Donc, la preuve, c'est une bonne pub. Après, c'est une question de goût. Évidemment, il y a la limite, elle est là, c'est de savoir... Jusqu'où ça reste de bon goût, jusqu'où ça reste, on va dire, tolérable. Ça devient quand même très à la mode, hein, de foutre à poil les garçons. Vous-même, vous avez tourné dans une publicité nue. Oui, c'était pour une publicité pour un pain de mie, donc ça peut paraître surprenant. On va la voir, on va regarder cette publicité dans laquelle on vous voit nu. Il est maxi large, mon maxi Jack. Ravi que ça vous plaise. Et voilà, ça c'est vous. Tristan, vous avez accepté facilement cette publicité? Oui. Parce que pour moi, c'était pas, il n'y avait aucune vulgarité, donc il n'y a aucun problème. Et puis bon, c'est un métier aussi, donc voilà. Mais on vous demande de plus en plus d'être nu dans la pub. En ce moment, ouais. En ce moment, plus ouais. Vous allez vieillir, moins on vous le demandera. Profitez-en bien. Alors, quand même, je voudrais poser une question à Isabelle. Dans le combat des féministes, pendant très longtemps, à juste titre, on a considéré que l'usage des femmes nues, le morcellement du corps, était scandaleux. Est-ce que tu penses que c'est aussi scandaleux quand il s'agit d'un homme ou pas? Absolument, évidemment. Évidemment, la marchandisation du corps, c'est quelque chose de fondamentalement mauvais. Ce qui est
La nudité n'a rien de scandaleux. L'utilisation du corps pour vendre, ça, c'est déjà beaucoup moins bien dans la mesure où le message publicitaire est un message totalitaire auquel on ne peut pas échapper. Alors pourquoi tu nous as piqué toutes les photos d'hommes nus qu'on avait dans notre dossier? Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est une autre question. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous parlez de commercialisation, etc., du corps, mais je vois que vous en faites une formidable commercialisation aujourd'hui. Je vous trouve absolument admirable. Et je trouve ça extrêmement rassurant de voir la présidente des chiennes de garde arriver presque nue sur un plateau. Je trouve ça très beau, très joli. On est à la télé, c'est commercial, ça reste commercial. Vous faites de l'audience. Vous faites de l'audience, je dis que c'est très beau. Monsieur, excusez-moi. Mais la pub, pourquoi la pub? Parce que ça dure 30 secondes, parce que c'est sur une affiche, on se focalise sur la pub, elle a un dos large comme ça en télé. Il y a beaucoup plus d'images choquantes, comme vous le dites, à des heures de grandes écoutes, en prime time. Et je trouve que votre presque nudité ne me choque pas du tout. Au contraire, je pense que tout le public la trouvera excellente. Excusez-moi, je peux répondre, parce que là, vous mélangez absolument tout. Entre la manière dont je m'habille, qui est mon problème personnel, je m'habille comme je veux, et vous vous habillez comme vous voulez. Professionnel aujourd'hui, si vous êtes sur un plateau de télé. Ah bon? C'est professionnel, bah oui. Vous m'apprenez des choses tous les jours, décidément. Vous êtes animatrice. Alors ça, c'est une chose. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est l'utilisation du corps humain pour vendre des produits qui, la plupart du temps, n'ont strictement aucun rapport avec le corps. Et là, on peut contester l'utilisation du corps pour vendre. Ça n'a rien de vieux jeu, Stevie. Il faudra avoir un col roulé pour pouvoir parler comme elle parle. Bah, on dira à ce moment-là qu'elle est coincée. Que je suis puritaine et coincée. Je crois que c'est un vieux débat. Malheureusement, je crois que c'est un vieux débat. Que les femmes n'ont pas besoin de chiennes pour qu'on les garde. Et Dieu merci, il n'y aura, j'espère, jamais de chiens de garde. Pour éviter à Tristan d'apparaître nu sur les trouve, je vous trouve bien agressif, monsieur. Non, on était là tranquillement. Moi, je suis content, j'ai foutu la merde. Moi, je suis content. Moi, je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo, ça me fait rire. En tant qu'homme, il y a une inégalité, c'est vrai, entre hommes et femmes. Il est presque impossible d'avoir une parole qui conteste la publicité. C'est devenu la chose qu'on ne peut pas contester. On peut parler de la publicité sans que vous en veniez aux attaques personnelles, monsieur. Mais c'est pas personnel, au contraire, j'étais en train de vous flatter, en train de vous faire. Mais c'est ça. J'étais en train de vous flatter, vous dire que vous étiez. Mais pas du tout, j'ai dit que j'étais jolie. Vous m'attaquez personnellement, vous attaquez le mouvement que je représente, alors qu'on est là en train de tranquillement parler du corps humain, de la nudité, de l'utilisation. Vous n'avez pas attaqué tranquillement la publicité, vous l'attaquez systématiquement. Et justement, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes, c'est vrai, là je vous rejoins. Mais oui, un homme nu sur une pub fait toujours marrer les gens, alors qu'une femme nue, ça choque moins. Saint Laurent était le premier en 71, je crois, à poser nu. Il avait juste ses billets de lunettes. Non, c'est pas lui. Et c'est vrai que ça choquait moins. C'était provoquant, mais c'était pas choquant. Voilà. Alors, la pub d'Yves Saint Laurent à l'époque, qui est reprise, donc celle qu'on voit actuellement, c'est en fait la même idée. Hein. Oui, c'est 30 ans après, on va dire, c'est un hommage à Yves Saint Laurent. Là, il est pas nu, il est torse nu, en fait. Oui, mais enfin, pour l'époque, mettez-vous en 71, c'était déjà extrêmement choquant. Il est nu. La vie d'Annie Lemoine. Moi, je trouve aussi joli un homme nu qu'une femme nue quand c'est une jolie personne. Mm-hmm. Donc je trouve bien qu'il y ait une forme d'égalité comme ça dans la publicité. Je trouve que le pouvoir de suggérer est important. La suggestion aussi. La photo de Saint Laurent était faite par Jean-Loustief, grand photographe, on voit pas son sexe, mais il est nu quand même, et elle est parfaitement réussie. Donc, moi, je trouve ça bien qu'on ne voit pas forcément le sexe de l'homme. Peut-être faut-il le voir quand c'est nécessaire dans certaines publications. Si sur cette photo, on n'avait pas montré le sexe de l'homme, on n'en parlerait pas. C'est vrai que c'est tout le succès de cette publicité. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, on n'a pas besoin de se déshabiller pour vendre du pain de mie. On peut se déshabiller éventuellement pour un parfum, pour du gel douche, pour tout ce qui est esthétique. Mais pour du pain de mie ou pour... Le but de la pub, c'est quoi? C'est de créer la différence, de choquer. Mais quand c'est justifié Saint Laurent, c'est pas choquant parce que la photo est belle. Là, c'est pour du papier toilette. Aussi. Cette pub, c'est pour du PQ. Hein. Oui, mais quand on va aux toilettes et qu'on utilise le PQ, on est tout nu. Gérard Miller. J'aurais envie d'être entièrement d'accord avec Isabelle et je pense que je l'aurais été ou que je l'ai été il y a 20 ou 30 ans. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on peut plus dire ça de la pub. C'est-à-dire que moi, je souhaiterais qu'il y ait autant de créativité, d'imagination dans les émissions de télévision qu'il y en a dans la pub. C'est-à-dire qu'il faut bien constater, après plusieurs dizaines d'années de pub, que c'est un des secteurs les plus créatifs. Vous le savez, Laurent, on a eu la chance une fois d'être dans un jury de publicité. On a regardé tous ensemble pendant une demi-heure les meilleures publicités d'humour. On était morts de rire. C'est-à-dire que c'est quand même pas aux publicitaires qu'il faut reprocher leur audace ou leur manque de créativité. Donc là-dessus, je dois dire qu'après 30 ans ou 40 ans de lutte contre la pub, c'est un des secteurs les plus inventifs. Je n'y peux rien, même si c'est au service du capitalisme. Merci. Stevie, pourquoi vous auriez... Ah non, vous accepteriez de tourner nu? Oui, et j'ai déjà fait. Ah oui? Ah ben, bien sûr, plusieurs fois. Moi, je les ai vus. Les mignons. Plusieurs fois, j'aime bien. J'adore poser nu. Pour les calendriers de la Poste. J'imagine, Tristan, que vous préférez être habillé quand même. J'aime bien être habillé, mais ça ne me dérange pas aussi de faire des photos nues, comme je vous dis, tant que ce n'est pas vulgaire, ça ne me dérange pas. Et puis moi, j'aime bien le sport, donc
ça me correspond tout à fait, donc il n'y a aucun souci. Puis il y en a les moyens, Jean-Luc, c'est ça que vous vouliez dire. Exactement, mais en tout cas, c'est une tendance qui va se généraliser et on a quelques maquettes de pubs qui vont bientôt sortir, si vous voulez bien. Notamment une pub plus au naturel, justement, on parlait du mec qui s'assume un petit peu, qui assume son physique, et un fameux monsieur, on va appeler Monsieur Passal, et ça sera la prochaine pub, ça. Monsieur Passal qui nettoie du sol au plafond. Voilà. Donc. Voilà. Il va y avoir aussi une pub pour un club de vacances bien célèbre. Là, on va vendre la vérité. Et enfin, deux petites dernières. Une qui va faire plaisir à Valéry Giscard d'Estaing, une pub pour les volcans d'Auvergne. Et enfin, la plus glamour, parce que de toute façon, dans la publicité, il faut toujours aller plus loin. Donc, une pub pour les pompes funèbres. Alors, bon, merci à tous les deux. Franck Tapiro, agence de publicité bien connue, on peut pas la citer, vous savez comment c'est. Et Tristan, qui lui a la chance, on peut citer son nom. À très bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait. Cinéma, maintenant. Mercredi prochain, vous pourrez aller voir La Mentale, le film de Manuel Boursignac, Clotilde Courau, Samy Nasseri, dont le frère Bibi a écrit le scénario, et Samuel Le Bihan tiennent les rôles principaux dans ce polar sombre et explosif qui raconte l'histoire de Driss. Driss qui est joué par Samuel Le Bihan. Après s'être pris les pieds dans la jet set, après avoir signé un pacte avec les loups ou encore vendu des joueurs de foot dans 3-0, nous allons recevoir Samuel Le Bihan pour tester ensemble La Mentale. Samuel Le Bihan. Très bien. La loi au-dessus des lois. Voilà, oui. Non, dans la grande tradition Delon, Bebel, Gabin, Ventura, voilà. On renoue avec le vieux genre dans côté polar. En même temps, il n'y a pas de flic, donc c'est pas vraiment un polar. C'est un film de gangster. On va s'en rendre compte tout de suite avec la bande-annonce, ouais. La Mentale. 5 milliards. 5 milliards, ça te dit quelque chose? 5 milliards. Ça, c'est fini. Ça va durer jusqu'à quand, les conneries? La petite crise du mec qui veut se réinsérer. Pourquoi tu le lâches pas, Driss? T'es amoureux ou quoi? T'as pas envie de te casser le soleil quand ça te chante? Driss, c'est le meilleur et toi t'es en train de nous en faire une tarlouse de beauf. Dégage! Elle est pas bonne en chicos? Je suis une gitane, moi. Mais tu passes une nuit avec moi, tu lui dis ciao à Thalys. Et te convient plus ce boulot? Tu tiens tes engagements ou bien alors tu te casses? Ici, c'est chez nous. Tu crois ça? Je le baise, moi, Fèche. Tiens, il est là-haut. Il s'appelle pas Yanis. Je te crame, ça se fait. Tu prends tout avec le bon comme le mauvais. Me laisse pas. La Mentale. La loi au-dessus de moi. Samuel Le Bihan à l'affiche de La Mentale avec Samy Nasseri sur un scénario du frère de Samy Nasseri. C'est un témoignage de ce que Bibi a vu, ce qu'il a connu, des gens qu'il a rencontrés. Et c'est vrai qu'il est arrivé avec un scénario de 500 pages parce qu'il ne connaissait pas l'écriture scénaristique. Et ils ont travaillé ensemble avec Manu Boursignac, le réalisateur, pour en faire un film de 2 heures, au lieu d'en faire un film de 3 épisodes de 6 heures. Voilà. Et alors, La Mentale, le titre, il faudrait m'expliquer ce que c'est. C'est le diminutif de mentalité. Et ce qui se dit, c'est avoir une bonne mentale, pas avoir de mentale. Voilà, donc c'est le code d'honneur des voyous. C'est en même temps une règle de fraternité. Voilà, moi j'ai les 3 règles, savoir se taire, protéger sa famille et ne jamais trahir. Ouais, c'est ça. Oui, et puis après ça va au-delà, quoi. C'est des règles de base, de vie, d'entraide, de solidarité, et en même temps la loi au-dessus des lois, quoi. C'est c'est des gens qui sont marginaux de toute façon. Le couple Le Moine est sorti ce week-end. Annie Le Moine, on commence par vous. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un film formidable. Faut vraiment aller voir ce film, c'est génial, quoi. C'est bien fait, c'est le bon polar à la française, c'est même mieux que ça. Les deux filles sont formidables, voilà, Claudine Courau et Marie Guillard. Oui, c'est très émouvant, il faut aller voir. Et il y a une vraie trouvaille, je trouve, c'est le langage. Parce qu'il y a un mélange de langue des cités, de langue du gitan, En fait, c'est le langage des quartiers aujourd'hui, c'est un mélange effectivement de gitan, de rebeu, de verlan.
d'argot. En fait, bon, bah, les langages parallèles ont toujours été inventés pour déjouer les flics, quoi, finalement. Et puis, donc, c'est pour ça que le verlan a été inventé, c'est pour ça qu'aussi l'argot existait. Et donc, maintenant, c'est repioché dans plein de termes et recréé. Un mot pour être raccord avec le reste de l'émission. Un petit reproche, vous montrez vos fesses au début sur le générique. Et après, plus rien. Je trouve qu'on peut l'assimiler à une publicité mensongère, cette histoire. Oui, il y avait une scène d'amour au début, donc voilà, on voit mes fesses, effectivement. Non, mais là, on voit pas vos fesses, nous, on a été très soft hein, ce soir. Jean-Luc. Alors moi, au début, j'ai eu peur parce qu'on m'a dit, tiens, tu vas aller voir un film, ça s'appelle Les Mentales. je me suis dit, un film sur le fromage, bon, je sais pas. Après, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, c'est un film à l'américaine et tout. Et je trouve que le film mérite mieux que ça. C'est un vrai film français, c'est un vrai film de gangster à la française. Et ce qu'il y a de plus par rapport au film américain, c'est qu'il y a une vraie psychologie des personnages, tout est construit. On comprend pourquoi, enfin, le cheminement de votre personnage. Ouais. On comprend tout, c'est pas manichéen non plus. Si j'essaie de comprendre ce que vous dites, vous voulez dire, c'est pas, on n'essaie pas de copier le cinéma américain. Mais non, pas du tout, c'est un vrai film à la française, comme Melville pouvait en faire il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'on est transporté. Conseillé par la famille Lemoine, on va voilà. dire donc ce film. Parfait, Jean-Luc, merci Ami. De ce côté-ci, ils n'ont pas vu le film. Ah d'accord. Vince de trop. Mais ils ont des choses à vous dire quand même. Gérard Miller. Alors, moi je vais vous parler de Le Bihan. Parce que... C'est lui. Qui vient du breton, qui veut dire... Non, je dois avouer deux choses. D'abord que ce sont mes enfants qui vous ont remarqué avant moi. Je vous avais vu dans plein de films, et puis jamais j'avais vraiment été saisi. Et puis lorsqu'il y a eu Jet Set, ils m'ont dit, mais comment tu le connais pas? Donc j'ai commencé à vous suivre. Il y a eu Vénus Beauté. Il y a eu Vénus Beauté, toujours. On vous a vu même dans Une Femme Française, dans des tas de films. Et puis... Jet Set, donc je vous ai regardé près, j'ai pas beaucoup aimé Jet Set, je suis désolé, ça a extrêmement bien marché. Je n'ai pas beaucoup aimé 3-0, et pourtant aujourd'hui, moi je vais aller voir ce film, d'abord j'adore les polars, et j'ai une intuition qui, j'espère, vous fera plaisir, c'est que je me dis que vous pouvez devenir vraiment le Gabin ou le Ventura français. Ah bah, j'avais eu... plaisir, ouais. Non mais, c'est-à-dire que j'ai le sentiment, comme j'avais eu le sentiment pour Christophe Lambert, alors pour l'instant il fait une carrière un peu chaotique, mais c'est un formidable... Oh, t'avais eu Flair, t'avais eu Flair. Non, c'est un formidable... Moi je continue de penser que Christophe Lambert est un formidable acteur. Serge et Torix. Vous pouvez vous moquer de lui. Ouais, ouais. Très bien. Moi je déteste hurler. Je déteste hurler avec les loups. Il n'a plus la queue depuis un certain nombre d'années. Je trouve que c'est un formidable acteur qui n'a pas eu pour l'instant la chance de faire la carrière qu'il méritait. Vous avez la chance pour l'instant de faire des films qui marchent. Mais vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose chez vous. Je m'en suis rendu compte à partir du Pacte des loups, c'est-à-dire 2001. Quelque chose chez vous. Je ne souhaite pas que vous vieillissez trop vite, mais qui va aller vers justement ce qu'il y avait de formidable chez Gabin et chez Ventura. Donc c'est ce que je voulais dire sur vous. Moi j'irai absolument voir ce film. Et je suis sûr que vous aurez, puisque pour l'instant vous avez une carrière assez bien drivée, une carrière possible comme bon Ventura et Gabin. Il fait de bons choix. Très bons choix. Ouais. Et donc vraiment, vous me plaisez beaucoup. Alonso. Je voulais juste dire que pour ne pas l'avoir remarqué depuis le début, il faut être un homme violemment hétérosexuel. Hein. Isabelle Mergaud. Ça fait partie des films que je veux voir parce que Nasseri, il a vraiment une gueule. Que j'aime, et vous avez des fesses, alors on va faire... Ça fait... Fini. Alors moi, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que j'achète un DVD, vous êtes dedans. C'est-à-dire... Le Pacte des loups, Jet Set, à chaque fois, vous êtes dedans. À chaque fois que j'ai envie de regarder un film pour le plaisir, à chaque fois, vous êtes dedans. Et enfin, je trouve vraiment vous cartonnez. Alors, je sais pas qui est votre agent, mais en tout cas, vous faites le bon choix. Il y a peut-être du talent. Hein? Peut-être qu'il a du talent. Non, mais c'est une question de choix. Il a raison, il y a les choix. Comment vous faites? C'est quoi le secret? Je l'ai fait comme un spectateur, en fait. Je crois que quand je lis le scénario, j'essaye d'évaluer mon plaisir de spectateur quand j'irai au cinéma pour voir le film. Alors après, bon, des fois on se trompe, mais en tout cas... Pas trop quand même, quand on regarde... Ça a toujours été tellement lié au plaisir du personnage qu'on me proposait et de l'histoire qu'on me proposait de raconter je crois que j'ai un goût très populaire parce que je viens d'un milieu populaire et puis voilà. Jean-Luc ? Oui, non, j'ai lu dans le dossier que quand vous étudiez la comédie, vous avez joué le rôle d'une pomme qui s'échappait d'un réfrigérateur. C'est vrai ? Oui, mais alors, on a le droit de faire du théâtre amateur. Justement, non, mais je dis ça, c'est juste pour qu'elle s'appelle mythe parce que ça fait 4 jours que tout le monde nous saoule, toutes les filles font « Ah, lundi, il y a Samuel Le Bihan, Samuel Le Bihan », bah voilà, c'est tout. Mais c'est vous parce que c'est de la vôtre, ça. Ouais, alors faudrait pas me prendre pour une poire. Alors, qui dit méfiez-vous, parce que je sais que vous voulez tester Samuel Le Bihan. Voilà, donc on va le tester. La boxe, vous voulez le tester? Non, on va peut-être éviter, hein. Je suis très mauvais à ces petits jeux-là. Donc moi, je vais vous tester, vous avez fait la comédie française. Ouais. Donc je vais vous tester sur les personnages de Molière. C'est simple. Je vais vous donner un nom de personnage.
Vous devez deviner sa pièce d'origine. Aïe, aïe, aïe. D'accord, ouais, d'accord, d'accord. On commence. C'est très mauvais à l'école. Et tac au tac. Je dis, vous répondez, ok? Alors, Alceste. Le misanthrope. Eh bien, Agnès. L'école des femmes. Harpagon. L'avare, voilà. L'avare. Voilà, l'avare, bien. Monsieur Jourdain. Le bourgeois gentilhomme. Voilà. Allez, encore un autre, vite fait. Les Herbinettes. Ah. Ah oui, Herbinettes avec le fou rire, elle a un fou rire énorme. Oui, c'est je sais pas si c'est le bourgeois gentilhomme, c'est dans. Le malade imaginaire. Non. Les fourberies de Scapin. Ah, se faire prendre une leçon de Molière par Stevie, vous étiez pas venu pour ça. Il y a un super papier de Toscan du Pantou dans le Figaro Magazine ce week-end. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais non. Vraiment, ça donne envie d'aller voir La Mentale, Tendre Voyou, c'était le sous-titre de ce film. On conseille donc La Mentale, Les Lemoines l'ont vu pour vous, c'est testé, c'est vendu, ça sort mercredi. Samuel Lebihan, vous restez avec nous? D'accord. C'est la dernière séquence de l'émission, peut-être vous la connaissez, non. Le qui dit qui, qui a vu qui? Qui a vu qui, c'est parti. Qui alors, premier qui a vu qui, des personnalités trouvées dans la presse ce matin. Ronaldo. Pas Ronaldo. Mireille Mathieu. Ronaldinho. Ronaldinho. Ah oui, les dents. Ouais. Bonne réponse, c'est les dents de Ronaldinho pour le PSG. C'est pour gagner contre France. C'est lui qui a marqué le but. Hein. Le deuxième, ouais. Le deuxième. Il a joué dans 3-0, je crois. Il a les chicots pourris. Il a les chicots pourris, non? De toute façon, je pense qu'il y a le pognon pour les refaire. Hein. Autre qui a vu qui. Alors, fais-moi les fièvres. Ah ça, on est moins gueux. Hein. On frime c'est pas, un homme politique. Ce n'est pas un homme politique. Un acteur. C'est un jeune marié. Non. C'est un anglais. Ce n'est pas un anglais. Un écrivain. Ce n'est pas un écrivain. Mais il est médecin. Il n'est pas médecin. Ah ben mince. On s'en fout. Mais qui c'est? Un artiste. Non, ce n'est pas un artiste sportif. On peut considérer que c'est un sportif. Échec, c'est celui qui a gagné aux échecs. Il a gagné aux échecs. Exactement son nom. Vladimir Poutine. Mais non. Vous avez le prénom, on avance, on progresse. Donc, Vladimir Vaisselle. Vladimir Kramnik, bonne réponse collective. Allez. Il n'a pas battu l'ordinateur. Il a fait match nul. Il a fait match nul. Mais enfin, il touche une bonne prime quand même, puisque c'est que c'était Kasparov, je crois, qui lui avait perdu contre l'ordinateur. C'était un autre ordi, mais quand même, faire match nul, c'est pas si mal. Autre qui a vu qui? C'est votre domaine, ça, attention. Ennio Morricone. Bravo, il est fort, Jean-Luc Lemoine. C'est Ennio Morricone. Ouais, ouais. Qui ce soir dirige un orchestre au Palais des Congrès. Il va interpréter toutes ses plus grandes musiques de films. Je crois qu'il y a 400 films dont il a signé la musique, Ennio Morricone. Il est à Paris ce soir au Palais des Congrès et il dirige l'orchestre de Rome. Voilà. Vous intéressez aux musiques de films? Oui, bien sûr. Qui a signé la musique de votre film, là? Titi Robin. Bravo. Ouais. Souvent, on l'école, hein, les comédiens. Ouais, qu'est-ce qui a fait le générique indigène de votre émission, Laurent? Richard Clayderman. Je sais pas, Gérard. C'est Bertrand. Faites chier avec vos questions à la con. Allez, La Mentale sort mercredi sur tous les écrans. C'est avec Sami Nasseri, Clotilde Courau, entre autres. Vous êtes non, Guillard, dont on parlait. Il y a Michel Duchossois. Il avait fait déjà un film, ce réalisateur. C'est pas son premier film. Oui, il avait fait un pur moment de rock'n'roll. Voilà. Sur le milieu de la drogue, et là, c'est sur le milieu des gangsters. La Mentale sort mercredi. On était ravis de recevoir Samuel Lebihan. Merci. Merci à vous. Bye bye, à demain.